Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, j'ai donné les ordres à mes personnages. Libellule, tu me fais quoi, toi? Ok, on va. Je ne sais pas. Ah, on va demander, si jamais, on va demander de fermer la porte. Alors, j'ai un petit peu donc modifié ici. Ah oui, il faut que je... Ordre, on va miner maintenant toute cette région-ci. Comme ça, je peux déposer ma batterie et également la lampe. Libellule, tu peux rentrer. Alors, on va modifier ici. On va refaire un. On va plutôt modifier. Allez voir. On va tout modifier. On va mettre ça ici. On va créer maintenant une nouvelle structure en mur en ardoise. On va poser des murs en ardoise comme ceci. Ça, on va le supprimer. On va créer un deuxième, une copie de ceci et le mettre là, ce qui nous fera notre mur. On va déplacer ce lit qu'on va réinstaller ici. On va ouvrir là, on va plutôt faire une porte en ardoise. Ça sera parfait. La porte là, elle peut rester comme elle est là. Il me refaudra des pieux. Donc, on va demander à notre ami Libellule, on va déplacer sa zone de constructeur ici. On va le faire tout de suite. D'ailleurs, on va laisser tourner en 1. Zone. Étendre une zone autorisée pour les colons intramuros. On remet ceci. Et on ici aussi, pour ça pourquoi pas. Hein, maintenant qu'on a des trucs qu'on peut mettre dedans. Et on va supprimer une zone autorisée ici. Voilà. On va également étendre. Attention, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu viens faire, toi? Tu veux attaquer mon âne? Tu veux attaquer l'âne 1? Ok. Les portes sont fermées. Tu peux pas. Hein? Donc, mes animaux, vous allez rester en herbivore intramuros et carnivore intramuros. Ensuite, mes personnages à moi, ils doivent être constructeurs. Oui, ça va. Et ici, par contre, là-dessus, tu viens en colon intramuros aussi. Lachi, je voudrais que tu... Dan, tu vas devenir un ouvrier. Lachi, tu deviens un mêlé. Lachi, tu enfiles une guenille, ok, et puis après, tu me mettras... Tu viendras chercher ça. Bonne petite. T'as fini, tu m'embêtes plus. Ah bah. Tire-toi. Et là. Petit vicieux, va. Ok. Donc là,
Là, j'y ai parti chercher son petit truc. Tu rentres. On a 80%. 93, tiens, là, c'est bien, ça commence à venir. Ici, on est à 70, encore 6%. Espérons que ça passe. Ok. Sky, tu me mets un truc là. Ok, c'est bien. J'ai besoin que ceci soit réinstallé. Il sera très bien la tête au frais comme ça. Hein? Ouais, hein? Oui, bien sûr. Je vais demander de refaire des armes. Non, pas toi. Celui-ci, alors. Ouais, arme de mêlée. Ça, c'était mes masses. Hein? Et donc, je vais lui demander de me faire deux fois des bombes. On va récupérer un petit peu d'uranium. Parce que là, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4 bonnes, c'est beaucoup trop. Hein? Alors que j'ai deux, j'ai encore une bonne, une excellente là-bas qui traîne. Ok, la chi, tu devrais pouvoir normalement bientôt mettre t'es dans ton lit, ok. Ok, ben tout ça. But, t'es pas trop bien dans ta peau, toi. Où est-ce que tu es? Tu dors? T'es dans un environnement. But, là, tu devrais être super. Ouais, tu vas être super bien. Ça remonte super bien, là. Ouais, ouais, pas de problème. Pas de problème. Voilà, Dan rapporte. Tout ce qu'il faut. On va faire une. On va réinstaller ça. Voilà, ça sera très bien. Ici, quand ils auront terminé, on réinstallera la lampe. Peut-être une vérification au niveau des zones. Colon Intramoros, est-ce que vous pouvez venir ici? Oui, vous pouvez venir, mais on va quand même agrandir encore un petit peu plus. Et les herbivores, c'est Intramoros et carnivores Intramoros. Herbivore à Intramoros. On va vous donner tout ça à faire. Voilà. Et on va pouvoir me faire celui-là. Sauf que je ne veux pas. Herbivore Intramoros aille dans sur cette case-ci. Ok. Et on va prendre les carnivores Intramoros qu'on va autoriser aussi dans toute cette région là. Et puis on verra ici, hein, quelque part, on verra aussi ce que ça va nous donner. Ok. Toi, je ne sais pas ce que tu fais là. Alors, tu es un herbivore. Ah oui, oui, c'est normal. Tu étais là parce que avant,
tu avais le droit de venir y apporter des choses. Mais c'est fini, mon ami. Le temps... Ce temps-là est dépassé, carnivore. Ok. Je voulais voir les constructeurs. Colon-in. Ok. Alors, Colon-in, il a le droit d'aller ici, bien sûr. Et Colon-Atramoros, Colon-in. Tout. Bien sûr, mais je crois qu'on a fait le tour. Et constructeur. Pardon, colon in, je ne veux pas que tu viennes ici. Par contre, colon in, bah, tu peux me faire tout ça, mec, hein. Aucun problème. Hein. Voilà. Et tout ne peut pas aller non plus là-dedans. Voilà. Désolé de vous avoir fait patienter. On continue. Vous fabriquez les chapeaux. La chie, c'est fait. Ah, toi, tu n'as plus rien à faire, mon ami. Ça, c'est très embêtant. Si tu n'as rien à faire, c'est qu'il y a un problème. On va devoir modifier. Ça veut dire que médecin, donc, de toute façon, ça en oublie, tout ça en oublie. Le joli, on oublie, il n'y a rien à faire. Dressage, tu n'as rien à faire. Tu ne fais rien en cuisine. Constructeur, tu ne fais qu'apporter du matériel. Et tu peux également faire le sol. Par contre, je n'ai pas fait la chie. Ah, attention, c'est important ça. La chie, tu redescends à zéro. Tu vas avoir le droit de me faire nourrir les patients. Je vous invite à sauter de quelques minutes si ceci ne vous intéresse pas. Amener les patients au bloc opératoire, tu peux faire. Et aller dire bonjour aux gens, tu ne vas pas faire parce que ça ne te plaît pas spécialement. Le repos, tu passes à 5. Et ça, je ne veux absolument personne ne fasse ceci. Alors, geôlier. Tu passes en 5 exécutions, relâché.
Accueillir des prisonniers au lit 3, c'est bien. 5, nourrir les prisonniers, c'est parfait. 5, pour apporter de la nourriture. Et tu ne vas pour le moment pas discuter spécialement. Là, si t'as un mec, oh bah, tu pourras aller discuter avec ta copine. Pourquoi pas? On va te mettre en 4, on ne sait jamais. Parce qu'il nous reste une fille encore à s'occuper. Ici, ben, tu vas, il n'y a rien qui t'intéresse, hein, donc tu ne vas même pas aller nourrir les animaux, ni les abattre. Il y a des gens qui aiment bien faire ça. Au niveau de la cuisine, tu n'as rien du tout, donc ben, tu t'oublies. Ensuite, chasseur, on s'en fout du chasseur. Alors ici, ok, constructeur, tu n'es pas très bon, mais tu aimes bien. Donc on va 6. Voilà. Aplanir le sol. 8. 7. Et ensuite, là, t'aimes bien, donc ça, tu diminues et tu montes à 4, puisque tu aimes bien. Minage, bon, ça vaut même pas la peine. Forestier, certainement pas. Ensuite, tu ne peux plus rien faire d'autre là. Tu vas passer à 4 ici, en te laissant à 0. 0, 7, 4, 4, 4, Kodak. Tu vas passer en transport, ben, tu vas en faire du transport au niveau ben, 7, du 6 pour transporter les ressources et du 9 ici. Ensuite tu vas me nettoyer, on va te placer en 6 pour le nettoyage, donc je vais reprendre comme ceci et on voit celui-ci, ok, voilà, il passe à 6, c'est bon, et voilà. Je crois que c'est bien, et c'était Rimen qui n'avait rien à faire, donc on va devoir, elle a de l'artisanat à faire, hein. Donc il me faut des trucs ici, donc Rimen, 1, 2, 3, 4, ben viens me faire ça ma belle si t'as rien à foutre, ah c'est parce que t'es réservé par Dan, c'est pas grave. Ah ben Dan, il fera autre chose, hein. C'est pas très important. Libellule, Serena, transport du bois jusqu'au lit, ok, voilà, est-ce que tout le monde est occupé? J'aurais voulu que quelqu'un me fasse quand même un petit peu de pierre. Anarchiste m'en fait. Et celui-ci, c'est des blocs de calcaire. Hein? Ok. Blocs de calcaire. Voilà, comme ça, tout le monde a un petit peu de travail. On va aller vérifier maintenant. Ces gens,
Allez, petite caravane qui viendrait me dire bonjour. C'est le moment là, il fait bon comme tout, 53 degrés. On va vérifier notre température ici dedans. Ah ouais, d'abord vérifions que nous avons relâché Dan Sky et un dernier ici qui n'appartient à personne, ok. Et donc normalement je crois que tout le monde est. On a lâché. On a nos deux. Non, c'est bon. Ah, il va me falloir quelques. Comme ça. Ok. Jean, tu m'en fais encore ou pas? Ouais. Merci, le chauve. Rimmen, c'est bien. Et on va effacer ça. Comme ça, tu n'auras plus de mauvaises surprises. Voilà, je vais te reposer. Bien, qui est-ce qui s'occupe de notre ami pour l'instant? Prisonnier. Résistance restante. Chance de recrutement. Qui est-ce qui s'est occupé de toi la dernière fois? 4. Ouah, le chauve. Maintenant, tu réduis sa résistance de 4 à la fois. Eh bien, c'est pas mal, hein? Bon, il faut dire qu'avec 68. Ça lui fait un facteur d'humeur de 136, comme vous pouvez le voir. Et donc une chance de base combinée, chance de difficulté, recrutement, normalement être 115%. Voilà. Bon, ben c'est pas mal, hein? Facteur d'opinion, 153%. Bon, ben voilà. Alors, on va vérifier que. À 71%, c'est pas mal hein, finalement le. L'hiver volcanique là. Bon, maintenant ça peut durer un an comme cette histoire-là. Hein. Bon, voilà, la résistance a été brisée. Nous avons heurté machinerie compactée. C'est génial. Et c'est Grizzly qui fait ça, ben c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui est machinerie compactée? Oui. Machinerie compactée. C'est bien. Becker, t'as le droit de rendement minier 100%. Parfait. Ça, c'est calcaire, ça veut, tu peux y aller, ma biche. Et toi, tu vas bouffer après. Voilà. Excellent. Bon, on va ranger ça. Le coup d'après. Ok, on va
tout petit peu modifier ici. Voilà. Alors, une capsule de cargo, c'est pas ici. Allez. Qu'est-ce que tu me donnes là-bas? C'est quoi? C'est des œufs. Des œufs d'oie non fécondés. Ouais, bah ouais. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, tu peux. Alors, vas-y, est-ce que tu ramènes quelque chose avec toi? Non, alors tu vas réinstaller ceci pour l'instant. Ok, alors la loupiote elle est où? Elle est ici la loupiote. Toi on va te réinstaller ici. Voilà. Et c'est Libellule qui va me faire ça. Donc là, voilà, on a Lisa. Qui est-ce qui t'a récupéré? Ah, c'est le chauffe. Ok, bon, Lisa, qui es-tu, ma belle? Ma belle Lisa. Eh ben, dis donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ça devient intéressant. On a un peu trop, je dirais même. Eh bien, Lisa, tu veux venir ici, ma belle? Ou bien tu préfères rester là? Non, tu vas venir ici. Définir le propriétaire. Lisa, ensuite. Bon, ben, Rimen, pour le moment, t'es bien là, mais il va me falloir quelques petites choses comme ça en plus. J'en ai toujours qu'une, hein. Jean, tu me fais quoi, toi, mon ami? Tu fabriques une petite sculpture, ok. Bon, en attendant, là, j'ai pas besoin de trucs. Ici, on pourrait peut-être en mettre. Vous en êtes tous dans les chambres ici. Légèrement impressionnante, légèrement impressionnante, assez impressionnante, ouais. Donc, pour l'instant, on va vous offrir, alors, qui est-ce qui a le plus besoin? Pour le moment, c'est, je crois que c'est Lisa qui en a le plus besoin pour l'instant, donc on va faire comme ceci. En attendant. Oui, attention, il ne faut pas que tu oublies de faire tes trucs, Jean. Alors, Lisa est quoi? Lisa, tu es une personne avec aucune mêlée, mais du bon tir. Et beaucoup d'artisanat aussi. Par contre, tu es une octambule. Ok. Donc, déjà, ma belle, tu vas devenir une ouvrière. Ah, ça c'est un. Tu n'auras pas de drogue. Bien. Ton planning vient comme tout le monde. Non, c'est copier, coller. Sauf que toi, on pourrait te modifier un petit peu, mais j'aime pas trop ça. Devoir modifier les gens.
Ah, donc on disait que noctambule, c'était quelle heure à quelle heure? Noctambule, tu reçois une perte d'humeur quand tu es entre 11 et 18 heures. Alors, entre 11 et 18 heures. Donc, entre 11 et 18 heures. Bon, tu vas avoir une petite pénalité pendant 2-4 heures. Mais je pense que c'est bien. Et puis tu auras du pognon. Et c'est si tu travailles, tu as un bonus entre 23 et 6 heures. On pourrait te faire démarrer ici plutôt alors. Hein? Voilà. Donc, je te mettrai à démarrer ici. Je te ferai dormir 4 heures. Je te redonne un loisir. Je te fais un loisir ici. Et je te fais 4 heures de dodo ici. Et ton loisir là. Non, on peut faire comme ça. Ça devrait pas trop mal se passer, je crois. Alors, on dirait qu'on manque un petit peu d'énergie. Donc toi, je vais te réinstaller. Ouais, pourquoi pas là, ça sera très bien. Même ici. Ici, ça sera très bien. Dernière ligne ici et puis ça y est quoi. Et après on attaquera la région là, la région là. Faut faire comme ça. À part ça. Il faut que je modifie le travail de la nouvelle. Alors, Lisa, tu peux pas combattre le feu non plus. Ça va. Tout ça, c'est bon. Médecin, ben, t'es pas doué non plus, hein. Secourir, ah oui, ça, je vous ai tous oublié. Voilà. Ensuite, le repos. Ça t'aime bien, Lys. T'aimes bien faire de la surveillance, malheureusement pour toi, ma belle. Tu vas pas en faire beaucoup. Certainement pas ceci. Le dresseur. Voilà.
La cuisine. Oui. Le chasseur. Le constructeur. Alors, constructeur, tu n'aimes pas ça spécialement. Là, ici, tu aimes bien et tu aimes vraiment bien. Alors, travailler les damiers d'assemblage, on va te mettre en 5, 5, vêtements, non, 5, ici, objet en établi. Raffinerie, drogue, des pierres et des objets. Parfait. Là, tu repasses à 4. Ok. Donc, nettoyage. Toi, tu passes en 7. Et toi, tu passes en 5 ici. Voilà. Ok. Donc ça, on a terminé. Bon, ça fait beaucoup de monde pour s'occuper de ceci. Donc on va demander dans l'atelier, nous avons combien de 19 et 9. Mes cœurs est encore occupé pour l'instant, donc on peut faire pour l'instant, on va fabriquer un casque de commando, mais pas lui. Donc ça c'est obligatoirement mes cœurs, ok. On va faire quelques composants. Détail, on va demander, oui, libellule peut en faire. On va mettre tout travailleur. On va pas s'embêter. Tous ceux qui sont capables d'en faire, voilà. Et on va en mettre 25. Et on reprend à 20. Voilà. Ensuite, on va faire quelques composants avancés. On va ajouter quelques composants avancés. Tu vas m'en faire jusqu'à en avoir, disons, 15. Et tu reprends quand il n'y en a plus que, disons, 10. Et ça sera n'importe qui. Voilà. Également. Ici, on va également augmenter un peu les nombres, je pense.
Donc, on va mettre 200 en plus. Et on redémarre quand on en a 300. Disons 300. Voilà. Et ici. On en rajoute 200 et on redémarre quand il n'y en a plus que 370. Ok, ensuite ça, c'est parfait. Tu le désinstalles. Celui-là, tu le démolis. Donc toi, tu désinstalles, mais tu viens le positionner ici. Voilà. On peut rouler. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient m'apporter? Viens vite me faire ça, ma belle, tiens. Pas de chemin d'accès. Comment ça, pas de chemin d'accès? C'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Qui est-ce qui me fait que ça? Ouais, il y a quelqu'un qui est occupé déjà, dans la vie. Ça pourrait très bien être Litchi d'ailleurs qui me fasse ça. Ouais, excellent mec. Ok. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alissa, Lachi, et là j'ai plus personne, donc ouais, oh, ça va bien comme ça, pas de problème. Bon, les petits jeunes, on peut nettoyer un petit peu maintenant aussi, hein, si ça ne dérange personne. Plus trop propre ici. Plus trop de place non plus. J'ai trop de bouffe. 11 000, 7 005, mais bientôt il y aura plus de viande. Mais dans tous les cas, j'en ai beaucoup. Dans tous les cas, j'en ai beaucoup trop. Bon, on a un peu plus. On a un peu trop. Comment on va faire notre coup ici? Et ici, il fait combien? 48 degrés. Ouais. Alors qu'il fait 61 dehors. Donc vous voyez qu'on peut très bien garder les plafonds ouverts si vous avez une pièce assez grande, bien sûr. Plus ici, c'est pas propre non plus. Donc on va un petit peu faire travailler quelqu'un un peu plus dans la propreté. Qui est-ce qui pourrait nous faire plus de propreté? C'est quelqu'un qui sait pas faire grand chose d'autre. Comme par exemple Lachi, je crois. Lissa. Ok, on va descendre.
Non, si, et puis c'est bon. Voilà, comme ça tu. Non, là c'est le transport que je viens de descendre. En descendant à 666, ça m'a dit qu'il ne va pas me faire le truc. Donc là, il fait d'abord nettoyage, puis transport. Ici, nettoyage et transport d'abord. Donc je te mets la chie en 7. Comme ça, tu vas me faire du nettoyage à l'avance. Parfait. Alors, est-ce que les animaux et les autres personnes peuvent aller à cet endroit-là? Colon Intramuros, herbivore à Intramuros. Vous pouvez également venir ici, les gars. On va également mettre une. Non, ça va aller, je crois, là. Bon, alors, est-ce que je peux avoir quelque chose? Tu me pètes ça où sur le nez? On a du marbre ici, c'est bien. T'aurais pu tomber là, quelque part, non? Bon, tu m'es déjà tombé là-dessus. Ah, attends une minute, t'es pas occupé de me foutre tout en l'air, non? Non, je fais rien. Ok, non, il n'y a pas. Okay. J'avais peur de perdre quelque chose parce qu'il n'y a plus de toi, mais. Toi non plus, il n'y a pas de problème. Allez, un petit marchand peut-être. Je commence à avoir quelques petites choses intéressantes. Ok, on va maintenant commencer à créer quelques pièges également. Donc, sécurité. Je souhaite des pièges, disons, en ardoise. Voilà. Petit coup ici et puis on va remodifier, on va redescendre dans ce coin ici. Alors, un colon inactif. Rimen, tu es inactif. Tu ne peux pas nettoyer, Rimen? Je crois que tu ne peux pas nettoyer. Tu ne peux pas nettoyer. Ok. Pourquoi tu me fais pas. Tu ne tailles pas des pierres. Rimen. On a un petit problème avec toi, Rimen. Hein? Ça ne va pas, ça. Produire de la drogue, faire des pierres, 5. Faire des pierres, mec. Tu dois me faire des pierres. Taille des blocs de calcaire. Ok. Ah. Je vais faire ça.
Ah ouais, les animaux, ça fait un petit temps que je n'ai pas regardé dans les animaux. Des bébés mâles. On a un autre mâle ici, qu'on peut buter, ça va faire du bien, on a besoin de. Plutôt celui-ci, il a mangé. Voilà. Rimsen, mais qu'est-ce qu'il me fout, mec? Oh, ça va se passer. Chaque fois inactif, chaque coup qui manque des pierres. Donc je vais être obligé de. Ici alors. Ouais, besoin de matériaux partout, quoi. Comment vais-je m'occuper de ça? Bon, écoute, puisque de toute façon, pour le moment, je les ai mis tous en extérieur, on va agrandir le rayon de recherche. Pour inclure ma zone. Voilà. Comme ça. Bien, Rimmen, tu vas extraire du métal. Voilà. Maintenant, tu peux. Le seul truc, c'est que tu viens me chercher des trucs qui sont en critique. Normalement. Ouais. Donc on va en remettre une. Et puis on va. Ok. Donc on va maintenant fermer la porte ici. Alors, Mecker est occupé de nous faire pour le moment des manteaux en hyperfibre. Et ça va être super. Regardez-moi, on va regarder celui de vache. Comment il est? Alors, tu m'as fait que du bon, mon petit. Ah, oh, c'est pas bien ça. Bon, 69 perforants, 18,6. 24 degrés là, et le gros avantage aussi c'est les points de vie, hein. 480 points de vie. Ensuite l'autre c'est Lisa, qui elle est excellente, 78%, 26,5, 21, c'est pas mal hein, ça, c'est pas mal du tout. Et toi t'avais du Trumbo en.
En excellent aussi, c'est pour ça que tu le gardes. 81. Et un peu moins bon pour la chaleur, mais toujours aussi bon là. Par contre, moins bon aussi en contondant, mais vous autres, vous ne devriez recevoir que du perforant. Ok, dromadaire à donner naissance. Dromadaire 17. Hein. Ok. Alors, est-ce que je vais tuer dromadaire 17 ou pas? Ben, pour le moment, je n'en vois pas le problème, puisque la nourriture, j'ai pas de problème avec. Et donc, normalement, le 17, tu devrais être... Ben, il est là, alors. Voilà. Voilà, non. Donc, tu viens de donner naissance. En 9 secondes, une femelle. Ben, c'est bien. Pour le moment, on est bon. On ne bouge à rien. Ça serait sympa que j'ai un petit mâle. Fennec. Mais... Continue. Alors, mais alors, personne ne vient me dire bonjour ici dans le coin, les gars. On est le 15 avril même maintenant. Petite caravane. Je sais pas moi, un petit raid. Bon, ils veulent pas, ils veulent pas. Hein. Bon, je crois que ici au niveau on a terminé normalement, ouais. Ok, donc qu'allons-nous faire? Je voudrais creuser également par ici, mais ouvrir ici va me donner un gros risque aussi d'avoir des infestations. Donc si je dois creuser ici, je dois faire absolument une chambre de garde. Mais peut-être agrandir mon frigo. On va agrandir le frigo, tiens. Voilà une bonne petite idée, agrandir le frigo. Jusque-là. Ensuite, on va se faire une petite chambre ici. Ou bien... On va aussi creuser ça. Une fois creusé ici aussi. Bon, voilà. Tu peux ce que ça donne. Voilà. Ensuite, on va travailler comme ceci, on va déplacer ici, on va creuser pour réunir tout dans cet endroit-ci, et on va mettre la loupiote. Pour l'instant, on va la mettre ici. Ensuite, on va, pour le moment, annuler ces trucs-là. Je suis désolé, pas de quête, il n'y a rien. On n'a absolument rien qui vient se présenter à nous. Mais rien de rien. Ah, toi, t'en es où, là? 3 jours encore. Ok.
J'ai une chambre de libre, mais ouais, non, il y a les autres qui sont toujours là-bas dans le coin. C'est quand même quelque chose. Oh, j'ai cru que j'avais vu un lézard. Non? Non, il n'y a pas de lézard. Ah, tu m'as fait quoi là, mec? Tu m'as fait qu'un bon encore. C'est pas gentil, mec. C'est pas gentil, ça. Tu gaspilles ma super qualité de tissu. Bon, ça va quoi. Ça, c'est du calcaire. Ça, c'est de l'ardoise. Humaine. Ok, encore, machinerie compactée. Génial. Alors, il reste ici encore.
Alors, Chauve, tu pourrais Libellule, Dame, tous ces gens-là, pourquoi vous n'avez pas des petites inspirations? Ensuite. Libellule, Dan, Chauve. C'est vrai que les inspirations, on n'en a pas. Pas beaucoup, hein? Toi, t'as quoi? Il te reste quoi, ça? Artistique, mais t'avais rien d'intéressant du tout. T'es pas capable de faire quoi que ce soit. Un peu nos zones. Alors, intramuros, colon in, herbivore, intramuros, intramuros. Se fatiguer, on fait comme ça. Hein. Architecte les zones de base. Bon, maintenant qu'on a grandi encore ici, on est 43 pour un truc extérieur de 50, donc toujours bon. Il ne se passe rien. Alors, 98%, ça va, d'équerre, c'est bon aussi.
Ben, ça nous fait pas mal de petites choses en plus, hein, les gars. C'est ça, tout ce qu'on récupère. Hein? Bon, là, ça devait être 75. Vous voyez, il commence à pu avoir trop d'huile, là, 56. Mais midi, il ne pousse plus à cause de la température. Il fait 61. Il faut que ça descende un petit peu. Alors, chapeau melon, on s'en fout. C'était des morts. Alors, on va refaire. Qu'est-ce que j'ai le plus maintenant? Des pierres blanches. Ok, on va faire de la pierre blanche. Oh, sécurité. Ah, du calcaire. Ok, 64 et je suis encore ici à 52, donc je pousse toujours. Bon, je pousse pas très vite, hein. Je suis à 38%, mais j'économise un ou deux climatiseurs, hein. On continue.